Alors ici, c'est une ancienne boulangerie, mais là, j'ai acheté cette maison en 1990, mais dans un état de ruine. Et toute la cour était bétonnée, il n'y avait pas une seule fleur, et le bord de Seine, c'était les voitures qui se garaient, c'était les parkings. Alors il a fallu changer les habitudes, et puis maintenant, on a l'impression que ça a toujours existé. Là, vous avez la petite cour qui me sert de sujet, parce que là, il y a une pompe de jardin d'origine, mais le reste, ça a été creusé pour faire des fleurs, parce que là j'ai beaucoup de plantes vivaces et puis des rosiers anciens, hein, et puis je rajoute des annuelles pour dans la petite cour, hein, pour faire que ça soit accueillant. Alors voilà, vous arrivez dans deux salles d'exposition, et là vous avez, je classe un peu par rapport au thème proposé. Alors je change tous les trois mois de décor, je permets tous les tableaux et je rajoute des nouveautés. Alors j'ai mis à chaque tableau une petite carte pour indiquer l'endroit où ça a été peint. C'est comme ça on peut savoir l'endroit qui a servi de modèle. Alors je peins beaucoup, c'est la Seine, parce que là j'ai une barque qui me permet d'accéder dans les îles. Alors les îles, c'est pas, personne n'y va, quoi, parce que les bateaux à moteur ne peuvent pas accéder. Il n'y a pas beaucoup d'eau au bord des îles, et c'est resté dans un état très naturel. Alors ça c'est super, parce qu'il y a des nénuphars sur les berges, et le niveau d'eau ici est toujours identique, parce que le barrage régule. Alors il y a quelque chose aussi de particulier, on n'est pas sur l'eau ici, hein. La Seine est étanche, l'eau ne se répand pas dans les terres. Et là on peut creuser, on trouve pas, c'est des nappes phréatiques qu'on arriverait à trouver, mais pas là-haut de la Seine. Les lacs sont constitués pour la baignade, c'est les nappes phréatiques, c'est pas l'eau d'infiltration de la Seine qui s'est améliorée pour qu'on puisse s'y baigner, hein. Là, c'est parce que ici, on est une petite bande de terre par rapport à la Seine d'un côté, puis les lacs de l'autre. Là, on pourrait penser qu'on est toujours sous l'eau, et là, on a cette particularité, on n'est pas inondé, on n'a pas d'eau en humidité. Alors, dans mes parcours de barque, en barque, je vais dans des îles où je trouve des plages de sable et puis de l'eau transparente. Ça, c'est la Seine qu'on a l'habitude de voir, parce que là vous avez toujours des quais avec l'eau qu'on n'a pas en belle, quoi, parce que là on ne voit pas le fond. Que là vous avez une eau transparente, des petites plages de sable avec sans base, hein, c'est vraiment du sable. On a ces belles collines derrière, où là il n'y a pas de construction, c'est quand même resté dans un état naturel. Alors vous voyez, là j'ai installé des nymphéas sur le bord de Seine, parce que le fait que le niveau d'eau est toujours identique, et là c'est aussi exceptionnel, parce que vous n'aurez pas de nymphéas sur les autres parties de la Seine, parce que c'est vraiment ce petit coin qui est privilégié. Alors je fais quelque chose qui n'est pas habituel en peinture, je fais l'eau transparente, vous voyez, on voit sous l'eau. J'apprécie, vous voyez, les nénuphars, parce que ça, c'est la Seine fait rivière, et en même temps, c'est la grandeur de la Seine. Il n'y a pas d'élagage, c'est vraiment nature. Alors, vous avez la carte ici, avec tous ces. J'ai mis le point où on est, et vous voyez, toutes ces îles de Seine qui sont. Alors, on a beaucoup d'eau, puisque là, l'eau des lacs, mais. Ici, c'est la Seine qui a plus d'authenticité, parce que les lacs, c'est artificiel quand même. Alors, je peins, vous voyez, dans des camps pour montrer un peu cette eau qui est magnifique avec le paysage. Et là, vous avez un premier plan supplémentaire, parce que vous avez le paysage, le premier plan des nénuphars, vous voyez. Alors, l'écran, ça donne cet effet de perspective, parce que là, vous êtes
Alors, la peinture de paysage n'est pas si évidente dans les couleurs, parce qu'on travaille dans le vert, et puis il ne faut pas que ça soit plat d'épinards, donc ça soit, c'est très difficile de rendre les verts naturels. Je peins en extérieur, c'est une peinture que j'ai vue sur mon jardin, là, que j'ai devant la Seine. Alors, quand je peins en extérieur, il y a journée, hein. C'est pourquoi il est possible de continuer l'après-midi parce que la lumière est différente. Alors là, vous avez un dessin que je fais à la peinture. Parce que si vous le faites au crayon, dès que vous passez la peinture, vous avez vu que c'est une planète. Et là, ça montre la composition, ça décide à quel niveau je vais mettre les collines, l'eau, les fleurs. J'ai déjà le sujet bien posé, quoi. Après, je pars par ce qui va évoluer très vite. Avec des brumes le matin, et à midi, ça sera totalement différent. Alors, il faut gérer en fonction de la lumière qui va évoluer. Alors là, j'ai fait tout ce qui était lointain avec les brumes pour ne pas évoluer ce qui ne va pas manquer. Le premier plan est un peu plus stable, il va évoluer que par rapport aux ombres, à la lumière. Alors, j'ai déjà fait les tâches de l'automne. Ma peinture avec les couleurs les clairs, les foncés, et à un moment je m'arrête parce que la lumière a disparu, le paysage est complètement différent, il faut arrêter. Alors je peux finir en atelier, soit après photo, soit replacer au même endroit, et c'est un peu de cette façon, parce que là c'est très limité le temps passé sur place. Vous avez le point de vue de la Côte des Deux Amants, où vous avez tout le panorama avec le village. Alors il y a deux bras de Seine, un bras qui va vers les écluses et l'autre bras qui va vers les barrages. Nous on est devant le bras qui va vers le barrage. Alors il n'y a pas de trafic navigant ici, il n'y en a jamais eu, parce qu'à partir du moment où les bateaux ont eu des moteurs, ils ont passé par les écluses. Hein. Alors je fais toutes les saisons, puisque là vous avez un paysage de neige, avec le soleil, moi j'aime bien. Alors je ne fais pas la Seine trop en contraste, hein. C'est assez en douceur, parce que là, moi je peins souvent le matin, et le matin il y a ces brumes atmosphériques qui est particulière à la Seine. Alors je représente aussi les petites brumes du matin, parce que ici, à certains jours, il y a la différence de température entre l'eau et l'air, et ça fait fumer la Seine. Alors c'est que le matin que ça se produit, et puis là c'est superbe, ça fait très romantique parce que l'eau est en fumée. Le petit jardin m'a servi beaucoup pour la peinture, parce que là c'est un premier plan avec l'arrière-plan de la Seine. Là j'ai un bassin qui est inimitable, parce que la Seine n'a pas d'équivalent. Mais mon jardin est très connu parce que j'ai pu le faire en reproduction. J'ai les cartes postales, tout ça, si bien qu'avec Internet aussi, il y a même des gens de Santiago du Chili, l'Université de Santiago du Chili, qui m'ont contacté parce qu'ils ont trouvé une photo d'une peinture de mon jardin. Et là, ils illustrent un livre de leur poétesse avec une de mes peintures, vous voyez, en ouverture. Alors, quand même. Je suis arrivée à Rose, j'avais plus de nénuphars que dans les îles, tout ça, il y avait beaucoup plus de nénuphars que maintenant. Et puis là, maintenant, il y a du jet ski, les skis nautiques vont bien, enfin, souvent dans les endroits où il y a des nénuphars, et là, ça fait du bâchis. Hein. Alors, ça, c'est un peu dommage. Et puis, il y a une île un peu en face, le ski nautique, qui a été squattée par des gens qui ont coupé, cassé tout le naturel de cette île. Alors ça, j'ai essayé de voir avec Natura Vendi, mais ça ne bouge pas depuis des années, parce que là, j'ai alerté. C'est un peu dommage que ces îles soient pas restées naturelles. Alors je continue à vendre la reproduction de cet endroit, et qui n'existe plus, parce que les personnes ont squatté cette île. Alors ça me fait mal au cœur, ça. Je vous montre un endroit qui était magnifique avec une petite plage, des végétaux en fleurs avec des fleurs sauvages, hein. Et puis il y avait quelques nénuphars et puis l'eau transparente.
Et maintenant, ils ont fait un ponton. Et là, ils ont mis des palettes, ils ont tout cassé. Ils ont fait, deux parterres. Et là, c'est des palettes, c'est vraiment n'importe quoi. C'est la nature complètement. Ils font des fêtes avec des sonos qui s'entendent d'en face. Alors, il y a des gens du camping qui sont venus ici puis qui m'ont dit qu'ils n'ont pas dormi de la nuit parce qu'il y avait des gens qui faisaient du bruit dans les îles. Alors, vous rendez compte, les petits oiseaux, c'est pas Natura 2000, les îles. Alors, c'est pour ça que là, j'ai un peu des doutes. Alors, ces pontons ne doivent pas exister parce que c'est Voies Navigables de France qui donne les autorisations pour la construction de pontons. Et on doit payer des redevances. Et ça, c'est des pontons qu'ils n'ont pas lieu d'avoir. Et c'est ce qui donne l'accès à ces îles. Parce que ils abordent avec des bateaux à moteur. C'est pas avec des kayaks ou des petits bateaux. Ils amènent avec des gros bateaux, des constructions, des palettes. Et ils font leurs petites fêtes. Et ça, c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de poissons que je vois en transparence. Là, c'est des poissonneuses. Alors, il a été pêché un silure. C'est un énorme poisson que vous allez voir là, avec. Ils en ont pas les bras, 1,90 m, 45 kg quand même. Alors, vous avez un cormoran, un héron, et vous allez voir un chevreuil qui traverse la Seine à la nage. Alors, ça, c'est un peu exceptionnel, hein, parce que j'en vois pas tous les temps. Alors là, vous voyez. Alors, on a des cygnes, des canards, on a forcément pas mal de oiseaux et qui sont dans le nord. Hein. C'est tout ça que j'ai vu en photo. Alors les cygnes, ils volent, hein. C'est pas des cygnes qui sont en décoration, ils bougent, alors ils volent. Là, c'est des oies bernaches. Et là, on a des petits canards tous les ans avec des portées de petits canards, hein, sur une belle phare, vous voyez. Et puis là, j'ai une petite mésange qui a fait son nid dans la pompe de jardin. Alors elle a fait des allers-retours avec ses petits vers, et vous voyez, ça, c'est tout à fait la nature. Hein. Alors j'ai la barque avec moteur électrique et batterie qui me permet d'aller dans les îles. Alors vous allez, ça me permet d'aborder.